Bonjour ou plutôt bonsoir à tous. Bonsoir car ici au moment où je fais la vidéo dans l'instant présent, il est 2 h du matin. Donc c'est un petit partage nocturne que je vous propose, assez direct, assez cash. On va aller à l'essentiel. Alors, tout simplement, ça va être un partage en musique ou à l'aide de la musique en grande partie. Parce que voilà, donc je vous explique un petit peu le contexte très rapidement, mais j'ai l'habitude voilà, d'aller dehors dans le jardin, notamment le soir, regarder les étoiles, enfin voilà, contempler un petit peu l'univers, apprécier le moment présent, et puis c'est en général dans ces moments-là que j'ai pas mal de messages, pas mal de révélations aussi, de prise de conscience. Et bien tout simplement, je viens de faire ça et je viens d'aller dehors et puis voilà, j'ai reçu un message pour vous, un message en musique. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec un partage à ce niveau-là. Je vous encourage à aller la visionner si vous le souhaitez. Donc je vais essayer de mettre peut-être le lien ici. Voilà. Et donc c'est vraiment un partage, un cadeau. Voilà. Un cadeau quelque part qu'on m'a fait et puis bah, que je vous transmets aussi. Alors, cette chanson que j'ai reçue pour vous, qui est censée vous amener peut-être bah, à vous aussi des prises de conscience ou amener certaines énergies ou un message aussi, on le verra après d'ailleurs avec un tirage simple, et bien cette chanson, donc je vous invite à regarder sur YouTube, c'est Mon Everest. Soprano featuring Marina Kaye. Voilà. Donc, ça va être vraiment une découverte pour vous. Alors, si vous avez le goût de l'aventure, le goût de la découverte, ce que vous pouvez faire, ce que je vous invite à faire, c'est, par exemple, à d'abord écouter cette musique et ensuite revenir pour le tirage. Et pour les autres, eh bien, et pour tout le monde aussi, tout simplement, le tirage ensuite, enfin le tirage qu'on va faire là, c'est un tirage à choix, donc il y a 3 tas, et c'est pour comprendre ou avoir des compléments d'information aussi sur le message qui est porté au travers de cette musique pour vous. Peut-être qu'est-ce qu'il y a à en tirer comme leçon, comme enseignement, comment ça peut éventuellement vous aider à avancer aussi. Voilà, donc j'ai rien mis pour vous aider dans le choix, donc c'est pour ça que je vous laisse vous connecter à vous-même. Peut-être la musique va vous aider aussi, et ensuite revenir à ce tirage et faire un choix entre simplement le premier tas, le deuxième, le troisième. Voilà, donc je pense que tout est dit, et bah, je vais commencer maintenant pour le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, donc, quel est le message qui va avec cette musique? Vous avez le 4 de denier et la paix. Ok, bon. Ici, ce que vos guides veulent vous transmettre à travers cette vidéo, c'est un apaisement. Au niveau de l'énergie, c'est comme ça que je le ressens. Un apaisement par rapport à peut-être certaines problématiques, certaines questions, certaines interrogations, voire certaines peurs au niveau de la matière. On est sur les deniers, donc vraiment sur tout ce qui a trait au concret, peut-être au financier, mais pas que. Enfin voilà, c'est vraiment quand même des interrogations ou des problématiques terrestres. Et là, en fait, on est en train de vous dire que moi, j'entends, vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, justement, pour être en paix dans votre esprit, dans vos intuitions, dans ce que vous ressentez, dans vos émotions. Voilà, en fait, simplement peut-être lâcher prise. Libérer un certain contrôle et vous atteindrez, vous ressentirez cette paix intérieure, hein. Mais clairement, le message que je dois vous passer en lien avec cette musique, c'est que c'est pour vous rassurer, c'est pour vous rassurer en vous disant, mais tu sais, tu as déjà tout ce qu'il te faut, tous les potentiels intérieurs, toutes les ressources intérieures
pour matérialiser ce que tu souhaites dans le concret, dans cette vie, dans ta vie terrestre. Voilà. Donc c'était un petit message assez simple. Voilà, j'espère que ça résonnera pour vous. Et puis, surtout, prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc on va découvrir le message simple, direct, qui est associé à cette musique. J'espère que vous avez kiffé le moment, que voilà. Ouais, j'espère juste que vous avez kiffé. Alors, vous avez le soleil, ok, et papyrus. Donc, bon, a priori, vous avez été nourri par plutôt de belles énergies. Le soleil en est sur la clarté, sur la clarté. Pour moi, déjà, vous avez bien capté le message. Oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez bien capté le message, l'essentiel du message. Je sens que ça. C'est fait pour vous nourrir en fait. Les paroles de cette musique sont là vraiment pour vous nourrir, pour vous permettre aussi d'entreprendre un voyage vers vous-même, de vous connecter à votre enfant intérieur plus facilement. Pour moi, ça nourrit directement votre enfant intérieur ici, tout ce qui est dit dans cette musique. Hein? Ça vient alimenter aussi votre confiance en vous, votre enthousiasme, votre joie de vivre, d'être et de pouvoir voilà, expérimenter aussi cette vie, hein? Cette vie, cette incarnation. Et ça a énormément attrait pour moi ici à la confiance en soi sur ça peut vous permettre en fait cette vidéo de comment vous dire ce que je ressens un engagement quelque part que vous décidez de prendre avec vous-même avec en accord avec votre enfant intérieur avec votre lumière intérieure. Voilà, cette vidéo pour moi peut vraiment amener des changements. Pour vous, il peut y avoir peut-être un déclic, une sorte de vision, une prise de conscience, mais clairement, je ressens hein, un mouvement d'énergie pour vous. Donc, comment vous traduire ça? Comment ça peut se traduire pour vous, ce changement d'énergie? Alors, je vais demander. Eh bien, simplement, ça peut vous permettre de quitter une énergie ou une situation actuelle ou faire évoluer, c'est pas forcément quitter, hein, il ne faut pas s'arrêter au mot tel que vous l'entendez, enfin voilà, faut le comprendre au-delà, mais quitter, partir ou alors faire un changement, vous voyez, juste un changement, par rapport à des. Je sens une énergie ou une situation peut-être de désordre. Il y avait. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends, un désordre. Donc ça peut permettre un réalignement et aussi, avant tout, un réalignement, pardon, avec soi. Voilà, le soi authentique. Donc, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit partage de la nuit, les amis. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et voilà, j'aime bien aussi me nourrir avec ces belles énergies quand je les vois. Donc, surtout, passez une belle nuit, une belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour vous. Qui avait fait le choix numéro 3. Donc, quel est le message complémentaire à cette musique, peut-être que vous venez d'entendre? On a la reine d'épée et le numéro 4, le mensonge. Alors, je vais prendre quelques instants pour me connecter à votre énergie. C'est une énergie assez complexe par rapport aux deux autres, déjà. Déjà, c'est ce que je ressens. Alors, c'est pour ça que je sens que j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. D'accord. Cette vidéo peut vraiment vous permettre de quelque part reprendre le contrôle
sur votre mental, justement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, la petite voix intérieure, mais qui n'est pas celle du cœur, en fait. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc ça peut vous permettre d'arriver à une clarté mentale, une clarté sur les décisions que vous avez à prendre aussi actuellement, on pourrait dire une confiance, hein. Et surtout, alors je ne sais pas pourquoi je capte ça, mais je vais vous le transmettre, ça peut vous amener un discernement, j'entends un discernement à la fois sur les personnes extérieures ou sur une situation extérieure, et à la fois sur ce qui se passe en vous, et notamment au niveau des pensées, parce que la reine d'épée, les épées, c'est les au mental. Hein? Pour moi, il est question ici de... Enfin, dans cette vidéo, si vous voulez, c'est comme s'il y avait des connaissances, une certaine sagesse. On parle d'une intelligence, voilà, une intelligence, mais qui n'est pas l'intelligence du mental, hein, justement, qui est un autre type d'intelligence, une intelligence supérieure, si vous voulez, ou qu'on pourrait dire une conscience supérieure, mais j'entends vraiment le mot intelligence, et comme si ça pourrait vous permettre de capter cette intelligence, d'être relié à cette intelligence, et justement de pouvoir faire tomber les masques extérieurement et les masques intérieurs surtout. Pour que vous retrouviez votre potentiel et votre pouvoir. Voilà. Donc c'était un petit message très direct, très simple. Vous me direz comment ça a résonné pour vous, les amis, si vous le souhaitez. En tout cas, voilà. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle fin d'été. Prenez bien soin de vous et je vous dis... À bientôt!